En août 2000, à l'occasion des 10 ans de Street Fighter 2, Capcom décide de produire un nouvel animé, cette fois sous forme d'OVA, c'est-à-dire un dessin animé produit exclusivement pour le marché vidéo, en deux parties. A l'instar du film de 1994, le cast a été choisi avec soin, Shigeyasu Yamauchi à la réalisation, il a travaillé sur Dragon Ball Z et Saint Seiya, et Yoshihiko Umakoshi au caractère design, Berserk ou Préticure. A noter que Ryu est doublé par Ken Kosugi, acteur américain d'origine japonaise, qui prête sa voix au personnage et en version japonaise et en version US. Quant à la bande-son, que dire d'autre si ce n'est qu'elle est magistrale? Elle fut confiée à Hayato Matsuo, en jeu vidéo on lui donnera entre autres Panzer Dragoon RPG ou Dragon Force 2, et jouée par l'orchestre philharmonique de Kanagawa. A l'instar de Street Fighter 2V, l'histoire est très éloignée du jeu original. Mais au moins le design est fidèle, à l'exception de la couleur du costume de Chun-Li. Elle met en scène Shun, un jeune garçon qui se présente comme étant le petit frère de Ryu. Précisons que les dessins de cet animé sont réalisés en cellulo et non par ordinateur, ce qui était devenu déjà assez rare en l'an 2000. Hélas, si la réalisation est impeccable, ces OVA sont une véritable déception. Le rythme est mou, mais alors mou! Même parfois les combats, qui de toute façon sont peu nombreux. Un comble pour un dessin animé tiré d'un jeu de baston. Les méchants, créés pour cet animé, sont sans intérêt, et l'histoire ne tient pas vraiment la route. L'ambiance est trop éloignée du jeu, ici on nage presque dans le fantastique. Et dans la catégorie « persos qui font de la figuration », cet animé se pose là. On ne retrouve que les personnages de Street Fighter 02, moins 4, alors que le 03 était sorti en arcade depuis déjà presque 2 ans. Mais au final, sorti de Ryu Ken Chun-Li Sakura, et dans une moindre mesure Rose, Goki, Birdie et Zangief, les autres vous ne les apercevrez que 10 à 20 secondes sur 1h30 d'histoire. A ce compte-là, j'aurais préféré ne pas les voir du tout, vu qu'ils ne servent absolument à rien. Achetez le CD des musiques, et pour le reste, vous pouvez passer votre chemin. なぜ強くなりたいの？戦うこと、強くなること。戦うって何？なぜ強くなりたいの？戦うこと、強くなること。俺はそれだけを支えに生きてきた。 お前と別の道を行く。 2000. Les revoilà. Mais cette fois, Capcom, qui pensait sans doute qu'il n'y avait pas assez de personnages, en a rajouté tant qu'il a pu. Au total, 56 protagonistes, plus le boss final, non jouable. Oui, vous avez bien entendu, 56 combattants disponibles. Enfin, pas tout de suite. Certains personnages cachés n'apparaissent qu'après les avoir importés de la version Dreamcast en connectant sa memory card à la borne. Bon, évidemment, ceci est plutôt valable pour le Japon, la version arcade ayant dû fort probablement être peu distribuée hors de l'archipel. Alors, je n'établirai pas la liste cette fois, ce serait trop long. Sachez toutefois que sur l'ensemble du cast, on retrouve tout de même 12 personnages issus de Street Fighter, dont les sprites sont récupérés de Street Fighter 02-03. Les décors, par contre, sont cette fois en 3D, mais s'intègrent pas trop mal à l'ensemble. Certains sont même assez réussis. Le tag, c'était pas assez. On a désormais droit à des combats à 3 contre 3,
Enfin, pas en même temps à l'écran, évidemment. Sauf lors des grosses attaques, encore plus démesurées que dans l'épisode précédent. Avec une demi-centaine de combattants, il y a certes de quoi faire. D'autant que l'aspect technique des combats y est plus poussé que dans les volets précédents. Cela reste néanmoins un jeu principalement destiné aux joueurs voulant se défouler. Il marchera beaucoup plus aux États-Unis qu'au Japon d'ailleurs. Les versions Dreamcast, qui sort quasi simultanément à l'arcade, et PS2, mais nettement plus tard en 2002, nécessitaient de débloquer certains personnages, mais les éditions ultérieures, comme par exemple sur PS3, proposeront d'emblée l'intégralité du cast. Cet épisode clôture la série pour longtemps, Marvel vs Capcom 3 ne verra en effet le jour que 10 ans plus tard. Mars 2000, le Street nouveau est arrivé. Ce jeu est en fait une exclusivité PlayStation 2, lancée le même jour que la console. C'est un cas rarissime, et même unique si on met de côté les jeux estampillés Street Fighter qui ne sont pas des jeux de versus fighting. A savoir qu'initialement, il n'existe pas de version arcade. Ni même après coup. Street Fighter EX3, c'est seulement et uniquement sur PS2 que ça se passe, point. Peut-être que Sony a mis la pression pour en faire une exclusivité, je ne sais pas. Le cast reprend celui du EX2+, avec en sus le retour de Sakura et de Evil Ryu. En revanche, Blair, Allen et Goki sont définitivement passés à la trappe. On se demande bien pourquoi. Pas réellement de nouveaux persos donc, hormis un certain Ace, boostable en mode expert, mais un mode expert un peu spécial. Ici, seul ce personnage est utilisable. Vous devez réussir certains enchaînements, ce qui vous donne des points d'expérience, avec lesquels vous pouvez ensuite acheter des coups spéciaux. Car ici, à la base, Ace n'en possède aucun. Il faut donc tous les acquérir au fur et à mesure, et ensuite choisir ceux qui vous conviennent le plus. Un personnage dont on décide des coups spéciaux, c'est original. Malheureusement, on ne s'en sert pour ainsi dire jamais. Graphiquement, on passe à la vitesse supérieure. Encore heureux. Même si le jeu est en deçà de ce que l'on a en droit d'attendre de cette console, qui vient juste de sortir, je le rappelle, et donc qui n'est pas encore du tout maîtrisé par les programmeurs, il est quand même bien plus joli que les précédents. Les mauvaises langues diront que c'était pas bien difficile. Niveau gameplay, Excel et Guard Break disparaissent. Vous pouvez en revanche exécuter des météo combos simultanés, voire des attaques cachées avec certains couples de personnages. Arika a également eu l'excellente idée d'incorporer le dramatique battle de la série des héros dans ce nouveau volet. Mais le grand changement, c'est qu'on joue désormais en tag, comme dans un X-Men vs Street Fighter. En mode story, c'est même plus compliqué que ça. A chaque combat gagné, vous pouvez enrôler votre adversaire, jusqu'à un maximum de 3. Ensuite, au début de chaque match, vous sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser comme partenaire. Arrivé au combat final contre Vega, vous pouvez utiliser vos 4 personnages à la suite, ce qui ne sera pas de trop, car oui, Vega est vraiment dur à battre dans cette version. Enfin, le Vega normal ça va, mais il y en a deux autres, Vega 2 et surtout True Vega, qui vous mettra vos 4 fighters KO avant même que vous n'ayez compris ce qui se passe. Pour les affronter, tout dépend de votre niveau de difficulté, de votre score et d'autres conditions à remplir. On aurait toutefois aimé avoir ce système de combat par équipe en option, et non de façon obligatoire, particulièrement en mode 2 joueurs, car ça n'a pas que des qualités. En effet, venons-en au problème majeur de ce EX3. Le jeu est un peu lent, et parfois ça bug au point de rendre les mouvements de caméra en retard sur l'action. Vous ne voyez donc pas ce que vous faites, et ça devient un beau bazar. Sachant qu'en plus, vous pouvez utiliser, s'il a été miqué au préalable, le corps de votre partenaire à terre pour l'envoyer sur l'opposant. Non seulement c'est pas très fair play, mais en plus ça alourdit l'écran inutilement. Bref, si on doit faire le bilan, celui-ci est assez mitigé. Bon point, on retrouve, presque, tous les personnages de la série, et le jeu est nettement plus beau que ses prédécesseurs. Malheureusement, en contrepartie, le soft est assez fouillis, avec des ralentissements et une caméra parfois aux fraises. Et le fameux mode expert, qui proposait un challenge vraiment intéressant en solo, est complètement raté ici.
Personnellement, je préfère quand même les deux épisodes sortis sur PlayStation 1. Anecdote rigolote pour terminer, dans le générique de fin, vous pouvez vous battre contre un nombre infini d'adversaires, transforme ainsi le soft en beat'em up. Vous connaissez les typing games ? On doit taper sur son clavier le plus vite possible les mots qui apparaissent à l'écran. Voici celui de Street Fighter dans l'ambiance de Street Fighter 2 premier du nom. Sympa 2 minutes, pas plus de 2 minutes, hein, mais ultra anecdotique. Cet épisode sort en mars et un second, nommé Typing Fighter 2 Plus, suit en juin, qui corrige quelques bugs. Super. Dans la dernière vidéo, nous avons vu le pourquoi d'une telle collaboration et le jeu édité par SNK. Étudions maintenant en détail ce que nous a mijoté Capcom de son côté. Il est évident que l'éditeur n'avait pas le droit à l'erreur sur ce coup-là, au risque de s'attirer le courroux des fans qui attendaient ce jeu comme le messie. SNK avait sorti un titre certes très réussi, mais sur console portable. L'attente fut longue, insupportable, quasiment un an et demi à compter de l'annonce officielle. Mais finalement, un beau jour d'août 2000, il fit son apparition dans les salles d'arcade. Et comme le dit l'introduction du jeu, tout le monde en parlait, personne n'y croyait, mais désormais vous pouvez voir que c'est vrai. Capcom vs SNK. Le titre n'est qu'à moitié exact, car il s'agit plutôt d'un Street Fighter vs King of Fighters, et c'est tant mieux. Je craignais une ambiance de type Marvel vs Capcom, et je crois que j'aurais eu beaucoup de mal à jouer avec Rockman ou Arthur. En fait, seuls deux personnages viennent d'autres jeux. Nakoruru de Samurai Spirits et Morrigan de Vampire. Et encore en personnage caché. C'est clair qu'elles n'ont pas leur place ici, mais on fera avec. Sachez au passage que Nakoruru est hyper puissante, à un point tel qu'elle fut interdite dans certains tournois. Alors, qui retrouve-t-on? Du côté Capcom, on est gâté. Les 12 personnages de Street Fighter 2, plus Sakura et Kami. Mais ces dernières en version 0. Dommage, pourquoi pas la version super? Ah, on me souffle dans l'oreille qu'il aurait fallu fabriquer un nouveau sprite exprès. Goki est également disponible en perso caché. Bref, plutôt un sans-faute. Chez SNK, c'est un peu moins rose, car certains fighters brillent par leur absence. On dispose néanmoins de Kyo, Yori, Mai, Terry, Ryo, Benimaru, King, Raiden, Yuri, Vice, Kim, Yamazaki, Rugal et Guise. Mais où sont passés Andy, Athéna ou encore Robert? Assurément, certains fans de SNK ont dû être assez dégoûtés. Niveau réalisation, il y a du bon et du moins bon. Les décors, en 2D, sont souvent très beaux et colorés. Maintenant, les personnages... Du côté Capcom, Ryu, Ken et Vega ont bénéficié d'un soin tout particulier et ont été redessinés pour l'occasion. Ils sont assez classe. Pour les autres par contre, dans sa fainéantise habituelle, mais SNK étant désormais hors course pour pas se fatiguer, Capcom s'est contenté de reprendre au pixel près les sprites du zéro. Ça fait quand même un peu tâche, surtout après Street Fighter 3, on a du mal. C'est vraiment un des gros points noirs du jeu, la palme revenant sans conteste à Morrigan, dont le sprite est celui de Vampire qui date de 1994. 6 ans! Ils nous ressortent le même sprite depuis 6 ans. On a limite l'impression de jouer sous Mugen. Quant au personnage SNK, et c'est un comble, je les trouve plus réussis que ceux des combattants Capcom. Un mot sur le caractère design du jeu. Chaque perso dispose en effet de son illustration type Capcom ou type SNK, histoire de satisfaire tout le monde. A l'instar de Street Fighter 03, il existe des ismes, appelés ici Groove. On peut donc choisir entre le Capcom Groove, qui correspond au Z-ism, et le SNK Groove, à savoir le mode extra de King of Fighters. Lorsqu'il ne vous reste plus beaucoup de vie, vous pouvez déclencher des supers à l'infini. Le jeu reprend la plupart des éléments de gameplay de Street Fighter 0 et King of Fighters, à savoir garde, crush, dash, roulade, projection et anti-projection, etc. On n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Mais, première grosse déception, le nombre de boutons. Seulement 4. D'accord, les persos SNK se sont toujours joués à 4 boutons,
mais il aurait été plus intelligent de leur donner de nouveaux coups, plutôt que d'en enlever au Street Fighter. Capcom a pensé résoudre en partie le problème en permettant de déclencher un coup moyen en tournant le joystick dans la direction bas avant, mais ça n'a absolument rien d'instinctif quand on a 10 ans de Street Fighter derrière soi. Mais il y a un autre souci qui vient vraiment ternir le tableau, à savoir le système des ratios. Explication. Chaque personnage possède un ratio, nombre allant de 1 à 3 et symbolisant sa puissance, Goki étant le seul à bénéficier d'un niveau 4. Vous disposez d'un capital de départ de 4, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un perso de ratio 3 plus 1 de ratio 1, 2 de ratio 2, 1 de ratio 2 et 2 de ratio 1, ou enfin 4 de ratio 1. Oui, seulement voilà. Qui s'est permis de donner arbitrairement tel ratio à tel personnage? Blanca et Benimaru de ratio 1? Balrog de ratio 3? Bien sûr, hormis Chun-Li et Mai, toutes les femmes sont ratio 1. Comment une idée aussi simple, aussi évidente, que le fait de pouvoir attribuer soi-même le ratio de son choix à ses personnages, a-t-il pu ne pas venir à l'esprit de Capcom? Alors certes, on se souviendra que dans Street Fighter 2, personne n'avait songé à la possibilité que deux joueurs puissent vouloir utiliser un même personnage. Mais bon, Street Fighter 2 avait encore l'excuse d'être le premier. Comment 10 ans plus tard a-t-on pu laisser faire ça? Ou alors c'était volontaire, ce qui est encore pire. Enfin, dernier défaut du jeu, les musiques sont pourries. Par chance, pas autant que dans 03. Je les trouve davantage supportables. Et les fins sont bâclées. Ou plutôt, la fin, car elle est unique pour tous les personnages. Si Capcom vs SNK bénéficie d'une bonne ambiance et d'assez jolis graphismes, enfin, au moins les décors, ses défauts de conception viennent pas mal noircir le tableau. Ce jeu n'a pas su répondre aux attentes qu'il avait suscitées. Il est loin d'être mauvais, mais largement moins bon que ce qu'il aurait pu, que ce qu'il aurait dû être. La conversion sur Dreamcast est réussie et propose en plus un certain nombre de modes qui viennent rallonger la durée de vie et donnent accès aux personnages cachés. On a entre autres le Color Edit Mode pour choisir soi-même les couleurs de son combattant ou la possibilité de se connecter à la version Neo Geo Pocket. Bon, on est bien d'accord, c'est du pur gadget. Capcom, tu déconnes. Pourquoi ne pas directement avoir débuté par celui-là? Cette version pro, qui sort tout de même 10 mois plus tard, vient corriger le défaut majeur du jeu. Je veux bien entendu parler du système de ratio. Oui, on peut enfin choisir le ratio de son choix. Par ailleurs, Dan Hibiki pour Capcom et Joe Higashi pour SNK viennent rejoindre le cast. Le jeu sortira aussi quasi simultanément sur Dreamcast. Les acheteurs de la version précédente ont dû l'avoir mauvaise. Mais également sur PlayStation en avril 2002. Non, pas sur PlayStation 2, qui étrangement n'a jamais accueilli cette première mouture, mais bien sur PlayStation 1, la première de 1994. Un des derniers titres sortis sur la machine, et donc dans l'indifférence générale. Qui s'en tire toutefois de manière honorable, malgré de pénibles temps de chargement. 16 secondes avant chaque combat. Mais on commence à avoir l'habitude. Mais bon, on s'en fout un peu. Capcom vs SNK 2 était déjà disponible depuis plus de 6 mois, donc on se demande qui a bien pu acheter cet épisode à ce moment. En effet, au mois d'août 2001, soit exactement un an après la sortie du premier épisode en arcade, débarquait Capcom vs SNK 2. Tient-on le volet qui effacera toutes les erreurs de son prédécesseur? Oui et non. En tout cas, le jeu est bien meilleur et restera pour longtemps une référence dans la baston 2D. Le nombre de personnages a pas mal augmenté. De 31, on passe à 48, soit presque autant que Marvel vs Capcom 2. En revanche, et c'est l'un des aspects du jeu qui me plaît nettement moins que le 1, c'est qu'on ne se limite plus au seul Street Fighter et King of Fighters, ce qui nous donne une ambiance hyper hétérogène. Comme nouvelle tête, on a pour Capcom Rolento, Eagle de Street Fighter 1, Maki de Final Fight 2, Kyosuke de Jutsu Gakuen et Yun de Street Fighter 3. Pour SNK, Todo de Art of Fighting, Athena de King of Fighters, Haomaru de Samurai Spirits, Hibiki de Last Blade, Chang et Choi qui sont jouables simultanément, c'est assez spécial, et Rock Howard de Fatal Fury Mark of the Wolf. Pardon, Wolf.
Les deux boss cachés sont une version encore plus monstrueuse de Shingoki, nous arrêterons-ils, et Godrugal, qui ne l'est pas moins. On se retrouve donc à se voir s'affronter des personnages qui ont parfois plus d'un siècle d'écart. Et certains à l'arme blanche. Alors, parlons d'ailleurs des personnages. Ou plus de leur design. Si Chun-Li a la chance de se voir elle aussi redessinée pour l'occasion, Morrigan reste toujours identique à elle-même avec son sprite vieux de 1994. Mais à quoi pense donc Capcom? Les nouveaux sont en général assez réussis, mais on regrettera toujours l'absence de quelques grosses pointures de SNK, comme Andy Bogart. Par contre, les stages... Ils sont désormais en 3D, comme dans Marvel vs Capcom 2, mais moins beaux, moins inspirés que dans Capcom vs SNK 1. Et en plus, trop peu nombreux. 10 stages en tout et pour tout. 11 en rajoutant celui réservé au mode training sur console. Pour 50 persos, ça fait quand même pitié. Et comme si ça ne suffisait pas, les musiques sont quasiment du niveau de celles de Street Fighter 03. Mes oreilles saignent. Heureusement, sur console, il est possible de les désactiver pour ne garder que les bruitages. Ça rend le tout un peu vide, mais bon, je préfère encore ça. Si sur la forme, Capcom vs SNK 2 peut être assez critiquable, il est absolument inattaquable sur le fond. Bon, inutile de préciser, je pense, qu'on peut choisir son ratio dès le départ. Rien ne vous empêche donc de prendre un Dan en niveau 4 ou un Goki en niveau 1 si ça vous chante. Mais surtout, de 2 grooves, on passe à 6, respectivement nommés C-A-P-S-N-K. C'est assurément la plus grosse amélioration du jeu. Le C-Groove est équivalent au Z-Ism du 03. Le A-Groove, c'est l'original combo. P-Groove, proche de Street Fighter 3. S-Groove, c'est le mode extra de King of Fighters, comme dans CVS 1. N-Groove, c'est le mode Advanced de King of Fighters. Et enfin, le K-Groove, aussi appelé Ikari System, Ikari voulant dire colère, de Samurai Spirits, votre force de frappe et de résistance augmente durant un certain temps. Même en y passant 10 ans, on ne pourrait sans doute pas faire le tour complet de tous les personnages dans tous les grooves possibles. 48 persos multipliés par 6 grooves égale 288 combinaisons possibles. À 2 joueurs, la durée de vie est absolument immense, carrément illimitée. Le second plus indéniable est le retour aux 6 boutons. Hourra! En plus, un groove supplémentaire est ajouté dans les versions console, nommé EX Groove. Il s'agit en fait de composer soi-même son groove en piquant diverses options à droite et à gauche. Et puisque nous y sommes, un mot rapide sur les conversions. Le jeu sort en même temps sur Dreamcast et PlayStation 2 en septembre, soit à peine un mois après la sortie arcade, ce qui prouve bien que ce marché est moribond et que Capcom table avant tout sur les ventes du marché console. Elles s'écouleront d'ailleurs chacune à 200 000 exemplaires, ce qui pour un jeu de baston en 2D en 2001, bah c'est pas mal du tout. Inutile bien sûr de vouloir comparer avec les chiffres de Street Fighter 2 au début des années 90. Hein. Mais Capcom vs SNK 2 sort également sur GameCube, 6 mois plus tard, et souffre d'un gros défaut. Le pad de la GameCube n'est pas, mais alors pas du tout, adapté à ce type de jeu. Idem pour la version Xbox, qui elle voit le jour en janvier 2003. Notons par ailleurs que ces deux dernières conversions proposent un mode pour débutants, avec les coups spéciaux qui peuvent se faire simplement en appuyant sur un bouton. Enfin, toutes ces adaptations console proposent le jeu en ligne, même s'il était encore très peu développé à l'époque. Et inutile de vous dire qu'à l'heure actuelle, les serveurs ont fermé depuis belle durée. J'ai un peu envie de dire pour ce CVS 2 la même chose que pour Street Fighter 03. Du contenu à foison, un gameplay aux petits oignons, avec des possibilités immenses, mais une ambiance par trop hétérogène et surtout des musiques de merde qui viennent franchement gâcher le plaisir. Mais en plus, les stages sont au nombre trop réduit et pas géniaux. Et c'est ainsi que Capcom va tirer ses révérences sur le monde des jeux de baston 2D. De fort belle manière, il est vrai, même si cela aurait pu être mieux. En effet, il s'agit du dernier jeu du genre édité par Capcom Japan. Alors je compte pas les compilations genre Hyper Street Fighter 2 qu'on verra la prochaine fois. J'ai bien dit Capcom Japan. Cela a son importance, mais ça aussi nous le verrons au prochain épisode.
SNK2 TAPCON. Projet ayant débuté en 2002, maintes fois annulé, repris, repoussé, pour être définitivement annulé mi-2003. Il s'agissait d'un jeu de baston en 3D, donc une première pour Capcom sur Street Fighter, puisque les autres avaient été faits par Arika, avec différents personnages de Capcom, dont Agar de Final Fight ou Strider. Du côté Street Fighter, on devait avoir au moins Ryu, Chun-Li, Nash et Alex. Et en 2017, on a découvert que Gouki était prévu en perso caché. Un des trois personnages originaux du jeu, Ingrid, sera réutilisé dans Capcom Fighting Jam ainsi que dans la version PSP de Street Fighter 03. On ne sait pas grand chose du titre, si ce n'est qu'il devait proposer un système de barre de vie proche de celui des Vampires, se jouer à 5 boutons, et qu'il devait proposer des finishing moves, un peu comme les Fatality de Mortal Kombat. Enfin, en version non sanglante évidemment. Les retours des joueurs absolument catastrophiques lors des tests ont semble-t-il poussé Capcom à jeter l'éponge. Rendez-vous au prochain numéro, nous arrivons en 2003, année qui va fêter les 15 ans de la franchise.